Ok, on est parti. Deuxième course, enfin, de la saison chez F1 France. Après deux courses, on va dire, sautées, mais qui ne sera pas rattrapable suite au bug de F1 2021, avant qu'ils fassent leur mise à jour. On est parti pour les qualifications ici à Bakou. Q1, Q2, Q3. Il n'y a pas de pluie de prévu, que couvert. On va y aller tranquillement. Il y a combien de temps de différence entre médium et soft? Il n'y a que 5 dixièmes. Hein. En vrai, Q2 avec le médium, c'est faisable. Hein. On est 18. On est 18 pilotes, si je ne me trompe pas. Ouais, on est 18, je vais charger mon petit setup, hein. On entend déjà les voitures sortir des stands, ça sort en médium, hein, pour Boons, ok, très bizarre, ok, pourquoi pas, on va y aller tranquillement cette Q1, et attends, ok, j'ai fait le tri, wow. Ça va? C'était pas beau ma à voir. Ma pédale de frein? Coupe le moteur et attends l'arrivée des commissaires. Wesh! C'est quoi de ça? Allez, ma pédale de frein ne fonctionne pas! Y'a que ma pédale d'accélérateur qui fonctionne! Wesh! A few moments later. Reprise des qualifications. On a eu de la chance parce qu'ils ont lancé la session, pas non seulement à cause de mon problème de pédalier, ça encore, on s'en fout. J'aurais pu dire que c'était un problème électronique, mais il y a eu quelques bugs de chez quelques pilotes où le jeu a crash, ils n'ont pas pu rejoindre à nouveau. Bon, on va prendre ça pour un mal, pour un bien, pour un mal. Un mal pour un bien plutôt, pardon. Je suis fatigué, hein. Vous êtes personne pour juger. Allez, on va sortir les stands, mais je vais tenter, enfin je vais essayer les freins pour commencer. Frein test, ouais, je vais tester les freins. Brake check. Ok, les freins fonctionnent, c'est bon, c'est une bonne nouvelle. Allez, on est parti tranquillement hein, pour ce premier tour chronométrique en cette Q1. On va pas attaquer les fonds, hein, on va juste sécuriser la place en Q2. J'ai failli manger un mur. Il l'a pas fait exprès, donc ça va. Moi, j'aurais droit à une mini-aspiration. Merci. Allez, fin des Q1. De toute façon, je me donnais pas à fond. Je préférerais préserver les pneus et tourner toujours avec les mêmes pneus pendant ces 18 minutes. Hein. Bon, 6 dixièmes derrière Pacha. Je sais pas s'il s'est donné à fond. Juste derrière Naxio également. C'est déjà ça. Et puis, les éminés sont Adrien, disqualifié carrément. D'accord. Calvin, Red Rex, Brice King et Mars. Je crois que lui, il a cassé la voiture. Et lui aussi. Du coup, ils pourront pas participer à la Q2. Allez, go pour la Q2. On va partir avec les médiums. Hein. On va en profiter avec 5 dixièmes entre les soft et les médiums. De toute façon, il y aura un arrêt. Je pense que c'est possible, un arrêt. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, soft, médium, médium, soft. Comme, bah, on verra bien. Parce qu'il me reste deux là. Deux pneus soft et un troisième là pour la qualif pour la Q3 si on passe. Et on verra bien. Alors, ça sort en médium pour Tigre. Pour Pacha. Pour Naxio, ah, il y en a pas mal hein, qui sortent en. Et Big Fish. Il y en a pas mal qui sortent en médium. Ils sont pas bêtes. Il y a peu de voitures sur la piste. C'est peut-être le moment d'y aller. C'est ce qu'on va faire. Allez, on y go. Ah, zut. Je crois que je suis plus ou moins avec le plein. Ah oui. J'ai 6 tours dans le réservoir. Bah, après, l'objectif c'est de passer en Q3. Hein. Allez, c'est parti. Q2 avec ses pneus médium. L'objectif, c'est de passer en Q3 avec ses pneus. Hein. Oh. Oh, ils ont cassé au virage 8. Faut que vite leur voiture cassée se casse de là.
Et le mode fantôme, c'est pour les... C'est pour les cons. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi si ça va. Bonsoir, ça va? Je sais pas ce que j'ai branlé! J'ai à peine léché le mur, mais non, mais je suis... Vraiment... Je suis vraiment une merde. Bon. Voilà. Nous sommes... on a cassé la voiture dans le mur. Bon, bah on partira 12e. Par contre, ils sont plus que 9 là pour la Q3. Il y a... Je sais pas qui d'autre qui a cassé la voiture. Bah apparemment, là, de 10e à la 13e, on a cassé tous la voiture. On a mis Saligo qui s'est fait disqualifier. Bon. Bon. Bah on va attendre que les Q3 passent et puis on va se retrouver pour le tour de formation. Hein. Allez. Ah, ils ont pas... Oh, j'ai pas eu le temps de faire ma stratégie. Allez, on est parti pour cette course médium hard apparemment. Toujours sous le temps assez couvert. On a 26 tours à couvrir. Allez, on va 10 minutes qu'avant. On va laisser ça. Ce sera pas mal parce que je sais pas si ça va trop consommer ou pas du tout. Donc, encore un arrêt soft... non, médium soft, ça peut le faire. Mm-hmm. Ouais, quoique non, parce que les pneus arrière vont surchauffer. Allez, on est parti pour le tour de formation. Aucun souci technique à signaler lors du test de démarrage. Surveille ton régime moteur par la suite. Il ne faudrait pas rester en rade. Eh, il est pas bête, Nino, au fait. Parce que lui, il part en dur. Il peut aller encore beaucoup plus loin durant le début du Grand Prix et partir avec les médiums. Sachant que la voiture sera beaucoup plus légère. Ah, il est pas con, le con. Bon, tant pis, hein, on va essayer de cravacher avec nos médiums. Sans casser la voiture cette fois-ci. La météo ne devrait pas perturber nos plans aujourd'hui. Ça devrait rester sec du début à la fin. Bon, en attendant, on va laisser la voiture se classer. Enfin, se placer du moins. On est déjà classé à la 12e place. Après cette qualification totalement merdique. Hein, yes. On va essayer de faire un bon départ. Cravacher plus ou moins des places. Et faire une très bonne course pour revenir dans le top 5. Allez, croyez en moi. Et cette fois-ci, je vais pas me manger de mur. Par contre, les pneus, ils ont le temps de refroidir parce qu'il y a une Red Bull très loin. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Bon, je pense que le mieux, c'est de relancer la session, les gars. Et pourtant, j'ai pris un bon départ. Safety car, carrément. Le mieux, c'est de relancer la session parce que avec la désynchronisation de Axe, pardon. Le mieux, c'est de relancer la session juste pour la course, les gars. On va faire une petite stratégie décalée. Ce sera pas plus mal. Sors, mets les gaz, on reprend la course à la sortie. Fonce, fonce! Reste éloigné de la ligne blanche à la sortie. On risque de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie. Pas de restart. Bon bah. Bon, on a économisé 3 tours. 2 tours d'ailleurs, avec les pneus durs. La question est, va-t-on aller au bout avec ces pneus? S'il n'y a pas d'autre safety car, en vrai on peut aller au bout. Sauf qu'il faut être très précautionneux avec ces pneus. Ça, c'est un autre délire. Surtout qu'il y a encore 12 pilotes devant moi. Il y en a pas mal qui n'ont pas box. Par contre, le mieux, c'est de ne pas me rentrer dans les fesses, s'il vous plaît, messieurs. Merci beaucoup. La distance de sécurité, c'est comme le Covid. Hein. 1 mètre de distance, s'il vous plaît. Et là, en F1, c'est plus de 20 mètres de distance, s'il vous plaît, parce qu'on roule à 160-200 km à l'heure. Hein. Vous serez... Et voilà, qu'est-ce que je disais? Ok, les pneus sont toujours pas à température.
Sinon, ça va. Les pneus ont l'air en bon état. Un incident a laissé des débris sur la piste. Heureusement, les commissaires ont réussi à les ramasser rapidement et ils ne comptent pas faire sortir la voiture de sécurité. Faut se calmer, les gars, hein. C'est que le quatrième tour. Wesh. Attention, attention. Safety car. Ok, ralentis. Prépare-toi à reprendre un rythme de course. La voiture de sécurité rentre sur ce tour. N'oublie pas qu'il est interdit de doubler jusqu'à l'apparition du drapeau vert. Un incident a laissé des débris sur la piste. Heureusement, les commissaires ont réussi à les ramasser rapidement et ils ne comptent pas faire sortir la voiture de sécurité. Oh non, s'il te plaît, pas de safety car là, c'est bon. Ah, il y en a deux qui ont abandonné au même virage. Il y a eu un incident sur le circuit, mais la direction de course n'a pas l'air de vouloir faire sortir la voiture de sécurité. C'est bon, pas de safety car. Ah si, safety car. Pardon hein, pour le micro. Prépare-toi à reprendre un rythme de course. La voiture de sécurité rentre sur ce tour. N'oublie pas qu'il est interdit de doubler jusqu'à l'apparition du drapeau vert. Retour à la normale. Oh la vache, j'ai préféré lâcher prise hein, parce que... Oh, les freins. Les freins, ils sont répondu absents. Mes freins, ils ont répondu absents. Oh la vache. C'est quoi de ça? Ah, plus personne se crache au virage 8, s'il vous plaît. Merci. Tu comptes finir avant minuit? Ah, j'ai pas de DRS. Ah oui, non, bah oui. Pour le troisième tour. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. La box. Roule moins vite, notre indicateur delta est trop faible et nous risquons une pénalité, il faut lever le pied. Allez. C'est non, le jeu frise. Ah non, 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 non. J'ai perdu 5 secondes. C'est notre dernier arrêt. Plus aucun arrêt. Oh, la chance. Oh, la chance. Oh, la chance.
Prépare-toi à reprendre un rythme de course. La voiture de sécurité rentre sur ce tour. N'oublie pas qu'il est interdit de doubler jusqu'à l'apparition du drapeau vert. Retour à la normale. Ils ont cassé les voitures. Et voilà. Non, non, les freins, ils sont pas forts, ils sont bouillants. Allez, j'espère qu'il y a le fantôme de tigre. Lol, il n'y a pas de fantôme? Je vais pleurer. Je vais pleurer. Je vais pleurer. C'est bon, je vais plus pleurer. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Alléluia. Je suis content. Tu creuses l'écart de 5 dixièmes par tour avec la voiture de derrière. On a fait la course de A à Z en partant 12e après être... s'être crash, avoir la relance de la qualification parce que la pédale de frein n'a pas répondu. Mon crash totalement stupide en Q2 qui m'a coûté la Q3, mais bon, on est parti 12e. 4 safety cars durant cette course. Stratégie décalée dès qu'on est rentré au premier tour, on a mis l'air, donc on pensait aller au bout s'il n'y avait pas d'autres safety cars. Finalement, dernière safety car obligé de rentrer au stand parce que sinon les pilotes de derrière ils nous auraient bien cravaché. Il n'y en aurait eu aucune chance face à nos pneus durs usés. Et ce qui est plus drôle dans tout ça, je vais pas le dire maintenant. C'est que la voiture n'a pas touché une seule fois un mur. Ça c'est bien. Ah là là, après dimanche, course de merde, lundi course de merde, jeudi course de merde, la vendredi, on renoue avec la victoire. Yes. Enfin putain de merde. Oh! Ouais, mot de référencement, safety car, voilà. Allez, bim, dans ta gueule, le jeu. J'avais oublié. J'avais oublié cette célébration. Ah, elle est pas mal. Aïe, aïe, aïe. Victoire, enfin, on renoue avec la victoire. Suivi de Saligo à 7 secondes 8. Ouais, bon, on a bien cravaché. Hein. Dommage qu'on n'a pas gardé le meilleur temps autour, mais bon. On peut pas tout avoir hein, dans la vie pour 5 dixièmes, c'est pas grave. Mars, Naxio, Sbinagar, Boons, Lunatic, Breeze, Ging. Il était pas en IA, lui, pendant toute la course. Enfin, du moins, c'est son IA qui a dû rouler. Pacha, qui a dû abandonner également. Il pouvait pas rejoindre la session. Gros Poisson et Tigre qui finissent la course. Et après, le reste, ils ont tous abandonné, malheureusement. Bon, en tout cas, j'espère que c'était une bonne course. Hein. J'espère que vous avez apprécié, les potes. J'espère que vous avez vraiment apprécié. Bah vivement la prochaine hein. Je sais même pas c'est sur quel circuit, mais vivement la prochaine. Ah normalement c'est Canada si je me trompe pas. Bah on verra bien.